regardez, j'ai reçu une nouvelle médaille avec mon équipe de foot. Mon fils, je suis fière de toi, t'es bien l'homme de la famille. Oh mon James chérie, maman, c'est fière de toi. Et vous, j'ai un truc à vous dire. D'accord. Alors, je voulais vous dire que moi aussi, j'aimerais bien faire du foot comme James. Du foot pour une fille? Mais comment peux-tu penser une chose pareille? C'est pas possible. Mais bien sûr que c'est possible, le foot est un sport mix, encore si tu ne serais pas au courant. Mais tu ne te rends pas compte, Kimberly, une fille qui fait du foot, c'est mal vu. Tu serais la honte de la famille. Ou pire, prise pour un garçon manqué, c'est vraiment ce que tu veux. Ton père a raison, c'est bien de rêver, mais faut viser plus féminin. Mais je peux faire du foot et continuer à m'habiller en fille. Et puis, en quoi ça vous dérangerait que je m'habille en garçon? Mais tu n'as pas du tout la carrière pour être footballeuse, Kim. Regarde-toi, tu n'as que la peau sur les os. On dirait que tu t'imagines déjà, mais comment tu réagiras quand tout le monde se moquera de toi au collège? Tu seras le bouc émissaire que tout le monde croira lesbienne. Mais je m'en contrefiche de ce que pensent les autres, c'est pas les moqueries qui me feront oublier mon rêve. Mais aucun footballeur n'acceptera que sa femme soit plus forte que lui au foot, tu t'imagines quoi? Papa, maman, vous ne pouvez pas accepter ça. Et toi, tu te rends compte de mon avis? Tu n'en as rien à faire, tu vas me faire honte au collège. Mais arrête de dire ça, je suis ta sœur, James. Si tes amis partent, ce n'est pas mon problème. Et puis... je fais du foot si je veux, en quoi ça te dérangerait? Tous mes amis vont me lâcher, donc ne parle pas. Quoi. Ouvre bien tes oreilles. Kimberly, je t'interdis de faire du foot. Tu m'as bien entendu ou il faut que je te le répète, je te l'interdis. Sinon, ça va mal finir pour toi. Mais papa, si... Non, j'étais assez entendu comme ça. La discussion est close. Bien fait. Chers parents, je me sens abandonnée par ma famille. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter ma maison. Personne ne veut accepter mes choix. C'est pour cela que je pars. Malgré les préjugés, croyons en nos rêves.